C'est une tradition à Lyon, hein, le 8 septembre, vous le savez, le vœu des échevins dans la basilique de Fourvière. Maïva, comme si on vous retrouve sur place. Comme l'an dernier, la cérémonie s'est déroulée sans la présence du maire de Lyon à l'intérieur. Non, Grégory Doucet n'est pas entré dans la basilique des Fourvières où s'est déroulée la cérémonie. Il s'est contenté par principe de laïcité d'un discours à la fin sur le parvis. Il a été suivi par Laurent Wauquiez, le président de région, puis par le nouvel archevêque, Olivier de Germay. C'était d'ailleurs pour lui la première fois qu'il participait au vœu des échevins. Il a reçu l'écu d'or dans la basilique. C'est une tradition depuis le 8 septembre 1643, date à laquelle un écu d'or et un cierge avaient été donnés en offrande à la Vierge pour protéger à l'époque Lyon de l'épidémie de peste qui menaçait. Cette année, ce n'est donc pas le maire qui remet la médaille à l'archevêque, mais Marie-Sophie Obama, la présidente de l'ASVEL féminin. Elle devient donc la première femme à représenter les Lyonnais pour cette cérémonie du vœu des échevins.